Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans le cadre de la rubrique remise en forme. Alors, pour vous donner quelques nouvelles, j'ai malheureusement arrêté le régime hydrique que j'avais commencé fin septembre, le 27 septembre pour être précis, suite à un problème d'inflammation. D'inflammation d'estomac, c'est-à-dire que quelques jours après avoir démarré ce régime, je suis rendu compte que j'avais un souci. J'arrêtais pas de tousser, j'arrivais pas à savoir ce que j'avais dans la gorge, j'étais pas bien. Je devais faire une répétition le mercredi soir et c'est là que j'ai compris. J'arrivais pas à chanter, ça piquait à la gorge pendant quelques secondes et là, le drame. Je décide de rentrer après la répétition, de prendre mon bain et c'est la catastrophe. J'ai donc craché du sang. J'ai donc craché du sang dans ma baignoire. Ça, c'est pour le côté technique. Médicalement, je suis allé voir un médecin 2 jours après, qui m'a réorienté, au niveau alimentaire et notamment au niveau du petit déjeuner. Donc, fin du régime hydrique et nouveau départ dans la maîtrise du poids et j'espère que ce nouveau départ va être bénéfique. Pour l'instant, je gère plutôt pas mal, mais reste à voir les résultats par la suite. Et ce qui va m'être proposé aussi. Je pense que le régime hydrique, ça peut être très très bien. Ça peut être très très bien. Malheureusement, il y a des personnes à qui ça ne correspond pas. Je vais y arriver. Et visiblement, je fais partie de ces personnes. Le tout, c'est d'avoir fait ma propre expérience. C'est une expérience que je juge, pardon, très bonne. Mais qu'il faut faire surveiller quand même parce que ce genre de choses sans surveillance, c'est méga, méga dangereux, je trouve. Après, libre à chacun de donner son avis, de faire, je dirais, d'avoir son propre jugement. Mais pour ma part, j'ai mis un terme assez vite, quasiment le jour même, à cette méthode parce que ça devenait dangereux pour moi. En fait, c'est un excès de sucre qui a déclenché qui a déclenché la chose. Et là, je suis sous traitement pendant 1 mois. Et ben, on verra dans 1 mois comment ça se passe. Donc, j'en suis réduit aux biscottes, au jambon et haricots verts avec viande, poisson ou volaille ou tout ce que vous voulez. Des fruits, des fruits, des fruits et des légumes, des légumes, des légumes, des légumes. Le problème, c'est que je suis aussi réduit au yaourt. Mais bon, les yaourts, j'ai complètement oublié, hein, on va pas se mentir. Et je pense plus facilement aux fruits qu'aux yaourts, lol. Mais voilà. Je ferai une vidéo dans les jours à venir pour vous tenir informé. C'est la fin de celle-ci. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, jouez bien mais raisonnablement. Soyez sages et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Salut tout le monde!